What's up, guys? My name is Brian. To my friend, is what's up? Salut, bien, c'est Brian Plus. Bon, aujourd'hui, j'ai invité Vas pour que. Vas, t'arrives jamais à dire. Vas, voilà, il arrive jamais à le dire. Bon, j'ai invité Vas. Vas, pour voir de quoi il est capable au parcours. Non, surtout Freerun, parce que. Vu qu'on est dans la salle, on va faire plus Freerun. Là, on va s'échauffer. On va faire le tapis, on va faire quelques spots. Et c'est parti. Vas-y, rajoute encore une couche. Ouais, moi je lui ai dit de faire un truc de débutant. Je sais pas ce qu'il va me faire. Le problème c'est que je suis pas... Il y a niveau débutant et il y a niveau pourri en dessous. Moi je suis pourri, tu vois. Je suis en dessous de débutant. Bon, je t'explique. Là tu vas faire un truc qu'on appelle Socha. C'est la base, faut que tu le connais, tu vois. Donc je vais te montrer. Tu vas essayer de reproduire quoi. Vas-y, montre-moi. Ciao. Bon, parcours c'est pas ma spécialité du coup. Il y a moyen que je le fais un peu moche. Un peu moche, hein. Un peu moche. On va voir. Socha, c'est ce que tu fais. Tu cours, il y a une jambe qui est en avant. Ouais. Tu te baisses légèrement. Ensuite, tu sautes. Tu poses tes deux mains. Tu ramènes tes jambes entre tes deux mains. Ouais. Tu traverses, ok? Moi, je te montre. Ça donne ça. M'énerve. Non, mais t'as plus là. Non, mais c'est facile. Ok? Mais attends, le mec, je botte là-bas, c'est plus facile. Je te dis, je te pose ta fille de l'autre côté. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Le gars, au calme, si t'arrives même pas à ça, c'est la base. C'est la base pour lui. Oh, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'allais dire, c'est comme si moi je lui montrais une base dans freestyle, il y est arrivé. Mais il y est arrivé, donc je peux rien dire, tu vois. Je peux rien dire. Normalement, ce genre de truc, c'est naturel chez un homme. Mais vu qu'on est dans la luxe, on a oublié les bases. Tu peux le refaire, s'il te plaît. Cours, tu te baisses les jambes. Vas-y, énerve-toi! Fais doucement pour voir comment tu vas faire, vas-y. Montre-moi comment tu vas faire. Fais ça. Tu fais un truc comme ça, ok? Y'a quoi? Non, mais c'est bien, c'est bien. C'était pas joli, mais ça passe. Ça va? Comment briser les rêves d'un mec qui vient de commencer? Thibaut Enchep, il a fait ce chat dehors sur le béton. Dès le début. Et toi, Wass, t'arrives pas à faire ouais, sur le matelas? Son truc, il était comme ça, tu vois, il était pas aussi large le mur. Alors que là, t'es sur le matelas, t'as aussi t'as plus. Ok, Thibaut. Bon, là. Ah Léo, direct, tu vas mourir. Mais c'est j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Regarde, tu peux tomber sur le cou. Regarde, moi, oh. Tu vois? Ça me brise le cœur. Là, parcours, on a compris que. Pourquoi je m'affiche comme ça? Que parcours, t'es pas trop fort. Plus des saltos avant, ça va être plus facile pour toi. Non, t'as déjà fait ou pas? Ouais. Ouais? À la piscine. Non, on va faire salto arrière, c'est plus facile. Attends, en plus, de base, j'ai le vertige. Mais on s'en fout, y a rien à voir en vertige ici. Ouais, putain! J'ai jamais vu des mecs aussi. Ouais, je suis fragile en vrai. Attends, fais-le d'abord. Ouais, mais moi, je l'ai fait, tiens. Ah, mais pour que tu. Mais il est sérieux, lui, je sais que tu sais faire. Mais c'est pour m'apprendre. Mais là, je vais te montrer juste comment t'as. Là, tu fais ta salte arrière et je te tiens, ok? Non, attends. Mais il est sérieux, lui? Mais t'es sérieux, toi? Tu fais sérieux. Tu fais le salte arrière et je te tiens. C'est normal pour toi. Putain, c'est normal. Il n'y a pas d'explication. Mais hein, montre-moi les étapes. Bon, t'es là. Ok. Première étape, tu sautes. Ouais. Deuxième étape, tu te groupes. Troisième étape, tu te découpes. Ça donne ça, regarde. Tu sautes, tu groupes, tu vas. Tu sautes, groupe, tes groupes. Ah, ok. En fait, tu fais ça. Tu sautes, après tu groupes, tu te tournes. Ouais. Ensuite, tu te dégroupes, c'est tout. Donc, ça, c'est groupé là. Non, ouais. Là, ça, c'est groupé. Ok, vas-y. On a pris un nouveau mot. Ouh. Fais ça derrière, que tu te brises le crâne. Attends. Ah, ça, tu vas faire quoi avec le vêtement là? Et je vais tourner. Mais c'est un mouchoir. Attends, je te tiens. Tu me diras quand tu vas le faire, ok? Donc, c'est le premier coup ou tu fais 1, 2, 3? Non, je vais dire que tu vas faire 1, 2, 3 ou tu vas faire 1? Non, direct. Ok, attends. Ok, là, il n'a pas le temps. On n'a pas peur! En fait, si, j'ai peur. T'as mis ça en haut! Je m'en bats les couilles, je vais le faire. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Il n'y a personne, mais je m'en bats les couilles. 1, 2, 3. Voilà! Bien joué! Attends, mais c'était bizarre là, non? Non, en fait, t'as fait le premier étape, mais là, le premier étape, t'as combattu ta peur en gros. 1, 2, 3. Y'a c'est ça? Ouais. Donc, franchement, je suis content pour Wass, parce qu'au début, il y en a, ils font ça.
Alors là, franchement, je suis content pour toi, Wass. Là, c'est tu vas bien, ça t'a pas bon. Regarde, pour qui t'as pas de plan. Tu vois, ça c'est pour que j'ai pas peur, c'est ça? Oui, pour que t'as pas peur, pour que tu dis. D'accord. Ouais, je vois ça, tu vois. Non, j'ai pas peur. Tu sautes avec tes mains, tu essaies d'avoir une rotation, ok? Ouais. Non, ça donne. En fait, je crois que tu le fasses parce que ça t'avant c'est plus dangereux que ça t'arrière. Du coup, il descend de là. T'es sérieux? Ouais. Vas-y, fais-le, comment? Vas-y, refais-le. Et ça, c'est plus dangereux que rien. En fait, le truc, c'est que ça t'avant, je vous explique les dangers de ça t'avant. Tu peux tomber sur les fesses. Si ma terre n'est pas assez épaisse, tu peux niquer le colonne vertébrale. Un. De deux. Si tu déplies tes jambes comme ça, genre qu'ils sont tout droits, tu vas tirer, tu peux te casser les jambes. Tu vois, ça c'est pour ça que j'ai pas envie que tu le fasses. En tout cas, j'ai pas envie que tu te casses les jambes ici. Du coup, là, on va passer à une autre étape. On va dire que c'est un obstacle. Du coup, bam, bam, bam. Et tu fais ça, t'arriveras ou pas? Non, mais ça va. Attends. Ça m'énerve parce que toi, tu le fais normal, genre ça. Regarde, d'abord fais-le ici, comme ça. Et fais-le toi. Tu sais, il le fait. Fais-le, il le fait. C'est ça pour commencer. Tu veux refaire une dernière fois, s'il te plaît. Si tu veux, tu vas essayer sur ton pied tout ça. Il n'y a pas assez de long, mais bon, je vais essayer. Ah oh, en fait, j'essaie de sursauter tout ça, c'est pour ça. J'ai volé un peu trop loin, tu vois ce que je veux dire? T'as volé trop loin. Bah, je veux dire que j'ai pas coupé, donc je vais refaire. Tu vas le mettre ça ou pas? Oui, pour dire qu'il y a toujours des fails. En gros, il faut sauter et quand tu sais que tu vas atterrir, tu groupes, tu rentres ton épaule. Vas-y. Tu connais lui ou pas? Oui, lui il s'appelle. En fait, il est là, Squeezie. Il est en tête. J'ai rien contre toi, Squeezie, mais bon, tu te retrouvais ici, du coup. Hop. Eh, mais c'est lourd ça. C'est pas évident, franchement. Je sais que les gens qui vont regarder vont se dire mais... Non franchement c'est vrai, c'est pas évident. Pourquoi il n'y va pas, pourquoi il fait pas. Je vous jure que on veut y aller mais quand on y va c'est... Il y a une petite peur qui retient là. En fait tu fais léger. C'est ça? En fait t'as fait ça. Putain je pensais qu'il allait me dire c'est trop bien en fait. Ouais il a fait ça. Ah. Tu vois, il n'y a pas eu un petit... Vas-y. En fait, c'est un petit peu mieux, sauf que lui, il a fait, tu vois, il était déjà dans l'idée de se... Ah, donc, il faut que je reste un petit temps en train de planer. Okay. Ouais, disons, il faut que je fasse bam, bam. Ah, vas-y, ok. C'était un petit peu mieux, sauf qu'il faut que tu fasses, regarde, comme ça, genre. Tu vois, genre, comme si tu roules un petit peu, tu vois. Oh. Ce qui est beau dans Free Run, tu peux imaginer toi-même différents moments. Là, je vais vous montrer un moment qui, c'est pas moi qui ai imaginé, mais un mec. Donc, pour vous dire que si tu arrives à faire roulade, tu peux imaginer un autre truc derrière. Donc, je vous montre un petit niveau en plus, mais de roulade, regardez. Ça, c'est ça, c'est un petit niveau dessus, tu vois. Niveau au-dessus, tu vois. Un petit. Oui. Tu te fous de ma gueule. Bah, ça veut dire que dans Free Run, tu fais ça, après, tu imagines d'autres trucs en plus. Il y a énormément de choix, c'est créativité. Très beau. T'as vu, on a fait salte avant normal. Ouais. Après, il y a un autre salte avant, c'est Webster. Alors, Webster, c'est salte avant, sauf que il est un petit peu différent. Enfin, c'est pas avec les deux jambes, mais tu pars avec une seule jambe. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, Webster, c'est ça. Bam. Non, sur le côté, c'est celle-là. Sur le côté, c'est arrière. Soit tu le fais avec deux jambes aussi, bam, soit tu peux faire avec une seule jambe. Le départ, c'est le même, sauf qu'atterrissage, regarde. Tu vois? Ouais. Donc, tu peux faire comme ça aussi. Ok? Okay. Bon là tu regardes un petit peu parce que là t'as un petit peu essayé comment c'est. Je vois que ton niveau est vraiment faible mais c'est pas ta faute. C'est parce que t'as pas l'habitude. Donc là je vais te montrer quelques trucs de parcours Ferun. Au tout début je vais te montrer Socha. Ce que t'as pas réussi à faire. Oui, ce que je n'ai pas réussi mais ce que je t'ai appris. Oui. Voilà. Donc là je vais te montrer un niveau en plus. Comme si tu passes ton Pikachu au niveau 2, ça existe hein? Raichu. Enfin Raichu au niveau 2, tu vois. Non, Pikachu, son évolution c'est Raichu. Ah, Raichu, bah on va dire que t'as pas stoppé quelque chose au niveau au-dessus. Donc là, c'est Socha, mais au niveau au-dessus. Donc je monte un petit peu. Ouais. Allez, bras, monte bien comme je t'ai montré. Hein. Ouais, avec bien. Le bras bien tendu. Hein. Oui, Wass. Ok. Hein. T'as bien glissé. Je suis pas satisfait. Refais-le, s'il te plaît, parce que c'est pas ça que je t'ai appris, moi. Bon, ça va. Ça va, c'est pas évident de le faire quand les tapis glissent. Et attends, je peux te demander un truc? Oui.
Est-ce que je peux te passer mon ballon et t'essayer de faire un truc avec une acrobatie? Tu penses que t'y arriverais? J'ai pas envie que tu roules sur le ballon, quoi, tu vois. Attends, il parle à Ibrahim TV ou tu parles à qui? Bah, vas-y. Bon, on va voir ce qu'il me propose, hein. Il faut que tu passes à ta nouvelle balle spinball. Spinball. Ouais, c'est ma spinball, celle-là. Du coup, si vous voulez, je mettrai le lien dans la description de chaîne de l'OAS. Il y a un lien pour acheter ces balles-là. Mais c'est pas en place d'un produit, il m'a payé juste en grec, donc voilà. Tu sais ce que tu as fait? Mets le ballon comme ça. Parce que ça, c'est un truc que je suis en train d'apprendre là. Voilà. Tu mets le ballon comme ça, flip, 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 salto. Toujours oui. En gardant le ballon. Oui, ça, je peux. Si tu le fais, j'arrête le freestyle. J'arrête. J'arrête. Franchement, j'arrête. Vas-y, viens, mets-toi sur le côté et suis-moi. Bon, si j'ai réussi quand même, pose bleu. Tu sais, quand tu fais le flip, il y a un moment où tes jambes elles sont en l'air. Ouais. Et donc tu lâches le ballon. Oui. Et le ballon il va aller en l'air, tu vas voir. Oui. Et quand tu atterris toi, le ballon il va atterrir aussi, tu le rattrapes. Bon, on verra, on va essayer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il faut que le ballon il aille droit. Ah ouais. Voilà, putain! Vas-y, refais. Je vois pas la balle. Oh mon putain, non, c'est pas vrai. Oh là là, et c'est pas ouais, bon, si tu la restes, c'est bon. Attends, c'est la première fois que tu fais. Bon, là, je vais faire une kick 360, je crois qu'on appelle ça. Vas-y. Pousse-toi. Bon, ça, le mec, il prend ça, il a plus de tête. Hein. Donc, tu mets pas du saut. T'es là. Dis-leur ce que t'as pensé. Franchement. Moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de sport, je suis professionnel dans mon sport, etc. Mais ça, j'étais dans une situation où j'ai pas du tout l'habitude et franchement c'était grave dur. J'ai galéré, c'est vrai que j'avais peur et en fait je me rends compte que... Mais une fois que tu apprends bien parcours freerun, je peux te dire que tu sens trop bien parce que tu arrives à contrôler ton corps à 100%. En fait quand on voit les vidéos, je pense que c'est un peu comme dans le freestyle, comme les gens le font facilement, toi j'avais vu que tu faisais ça facilement, je me suis pas dit que c'était aussi dur. Mais quand tu m'as montré la plus petite base en fait, ouais. Bah rien que ça, c'était pas facile. Franchement, c'est dur si tu commences, tu vois. Salut. Bon, voilà, n'hésitez pas à rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne aussi dans la description. Celui du caméraman aussi, je mettrai sur l'écran, donc voilà.